Oh,
Tu dois mélanger ça par adapté. Alléluia. Tu dois
manifester une joie par ce que Jésus-Christ. Alléluia. On va encore reprendre. Alléluia. Et cette fois-ci, il faut pas attendre de voir jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu vas voir. Je suis la bienvenue. Je suis la bienvenue. Ce soir.
Oh,
Yeah.
douleur. Toutes les douleurs trahir. Toutes les douleurs d'envahir. Toutes les douleurs pures. Va la terre pour t'être amusé. Va la terre pour t'être distraire. Va la terre pour t'être combattre. Tu ne le sais pas. Que le feu. Que le feu de mort. Les combattre. Les combattre. Donner ton prochain. Pourquoi tu as interdit à quoi on veut ton frère?
ce salut pour toi. Je veux vraiment manifester le véritable amour pour toucher. C'est pourquoi on se sent de demain. S'il te plaît, on se lève de mon cœur. Et là, d'avoir plus de temps au nom de Jésus. Thank you.
acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a créé la louange. Et pas des chants, des acclamations et des doutes. Alléluia. Maintenant, le Seigneur Jésus a prévu aussi quelque chose pour toi. Alléluia. Et il va te le donner par un moment d'enseignement. Alléluia. Donc, nous allons aller passer à une autre étape. Je vais t'inviter à prier, à élever la voix et à recommander le moment d'enseignement entre les mains de Jésus, le moment de prédication et tout ce qui va se passer après entre les mains de Jésus. Il est à vous pour maintenant. Prie. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es le droit, Père. Que ta parole touche les cœurs, que ta parole touche les cœurs, que les cœurs
N'est-ce pas que le péché se répande? N'est-ce pas que le péché change de voie? N'est-ce pas que le péché revient à toi? N'est-ce pas que le péché te réconcilie à toi? Bien. Manifeste ta grâce ce soir. Manifeste ta grâce ce soir. Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Christ. Esprit de la parole. Toi qui le gouvernes. Au-dessus des cieux à la création, manifeste-toi. Manifeste-toi, nous t'appelons au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, nous t'appelons. Prends le devant de tout chose. Prends le contrôle de tout chose. Nous ne savons rien. Nous ne connaissons même pas avant de connaître les autres. Alors, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 parle, parle au cœur, 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 parle, parle au Seigneur. Merci, merci, au nom de Jésus, parle. Amen. Alléluia. Particulière. Je veux savoir si cette joie va durer. Parce que le problème, c'est la joie. Maintenant, pour combien de temps? Alléluia. Notre joie ne dépend pas de ce qu'on a mangé. Alléluia. Si la joie va dépendre de ce qu'on a mangé, il y a ceux qui vont dire bizarre. Alléluia. Il y en a d'autres qui ne vont même pas me sourire ou bien se réjouir. Mais nous, notre joie ne vient pas de ce que nous avons mangé. Mais notre joie vient de qui? De qui? Jésus. De qui? Jésus. Il faut te pencher vers la main de Dieu qui dit, ma joie vient de Jésus. Dis-le ça. Ma joie vient de Jésus. Dis-le ça. Ma joie vient de Jésus. Dis-le ça. Ma joie vient de Jésus. Amen. Notre joie vient du Seigneur. Si notre joie venait des hommes, tantôt nous allons rejouir, tantôt nous serons encore dans les lamentations. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Je demande encore, réjouissez-vous encore dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'aime souvent, chaque fois quand je veux commencer une prédication, je donne toujours cette exhortation. Vous savez, chaque être humain, chaque homme, croyant ou incroyant, a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est sur cette terre. Cette terre a été maudite par le Créateur lui-même. Donc il n'y a rien à faire. Tu peux faire toutes sortes de consultations, tu n'auras aucune solution. Parce que c'est le Créateur lui-même qui a parlé. C'est le fabricant même qui a parlé. Celui qui a fabriqué le micro. Alléluia. Il a fabriqué le micro et l'a mis le système dans le micro. Et le système, c'est que, après 2 heures d'utilisation, 3 heures, le micro va commencer par raver. Maintenant, toi, tu dis que tu vas réparer ça. Tu ne peux pas. Amen. Parce que le concepteur l'a limité comme ça. Tu n'as aucune science pour dévier celle du concepteur. C'est pourquoi nous devons savoir que nous, les enfants de Dieu, nous avons des richesses éternelles, nous ne savons pas. Dieu nous dit, nous a pas donné des richesses terrestres. Nous avons des richesses éternelles. Et ces richesses ont une influence sur notre âme. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Alléluia. Parce que si notre âme est en paix, notre âme est en joie, ça veut dire que nous communions avec le Seigneur. La joie, est-ce que je peux acheter la joie? Tu peux l'acheter? Tu peux l'acheter? Non. Dites-moi, s'il y a un marché, quel est le marché ici? Non. Marché de pop, oui, mais quoi? Mamboué. Mamboué. Alléluia. Je vais au marché de Mamboué. Je vais acheter la joie. Vendeur de joie,
C'est des richesses impérissables. Il y a la joie du Seigneur et la joie du monde. La joie du monde est le résultat du péché. Est-ce que vous comprenez? La joie du monde, c'est le résultat du péché. Quand le monde se met en joie, sachez que c'est le péché qui est la base. Qui sort de l'éternité. C'est ce choix qui donne le salut à notre âme. Si tu ne sais pas prier, il faut te mettre en place seulement la maison. Amen. C'est ça aussi la prière. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La Bible ne fait pas. Faites tout ça de prière. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand on dit tout ça, je prie pour y avoir, quand on va prier, essayer, je casse, ça, non! On ne casse pas tout le temps. Il y a des moments où on s'assoit, on se réjouit. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses! Tu vas à la cuisine, tu ouvres la mamie, tu ne trouves rien. Tu vas encore dans la mamie, tu ne trouves rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu la fais et tu te mets à danser. C'est ça la joie du Seigneur, mon Dieu. Me retrouver ici. Amen. Parce que ici c'est chez moi. Amen. Parce que je viens, c'est chez moi ici. Tu as venu. Ici c'est chez moi. C'est ma maison. Amen. Ou bien, amen. C'est ma maison. Dis, c'est ma maison ici. C'est ma maison ici. Dis, je suis fille de la maison. Je suis fille de la maison. Je suis fils de la maison. Je suis je veux la guérison. Prends la guérison. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un plan. Prends un plan. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ma vie. Prends un plan. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un fondement. Prends un fondement. Vous n'avez pas besoin de supplier papa. Amen. Amen. Et papa donne mon enfant. Non, plan. C'est pour toi. Amen. Il est bon pour quoi? On est des héritiers. Amen. Ou bien, est-ce qu'on se gêne encore pour profiter de l'héritage? L'héritage, c'est quand on a fini le travail, il faut dire ça. C'est ça, on n'a pas besoin de pleurer, de gêner. Non, c'est pour toi, prends ce que tu fais. Amen. 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 Vous n'avez pas encore pris votre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous le constatez, mais comme vous l'avez déjà constaté, nous sommes au Gabon, le pays le plus petit. C'est petit physiquement, mais c'est pas petit spirituellement. Voilà lundi de la soirée, nous sommes bienvenus. Si je pouvais prendre encore le bonheur, je m'appelle bienvenue. Amen. Amen. Donc nous sommes bienvenus. Les gens entre nous nous ont bien accueillis. Et les gens qui ne sont pas entre nous aussi nous ont aussi bien accueillis. Amen. Lorsque nous implantons les églises, c'est comme si vous avez planté un arbre et vous avez semé quelque chose. Lorsque vous semez une semence, vous n'allez pas partir pour toujours. Même si vous avez espoir que ça va pousser là,
Mais du temps de terre, il faut venir voir l'état de la croissance de la plante. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc c'est dans cette mission que nous sommes venus. Je suis venu au nom du bureau du groupe international Jésus revient. Alléluia. Amen. Je suis venu. Officiel du groupe international Témoignage Jésus revient. Donc, si vous me voyez ici, c'est que vous voyez l'évangile sur Jésus. Amen. Si vous me voyez ici, c'est que vous voyez le docteur Silas ici. Amen. Si vous me voyez ici, c'est que vous voyez le prophète Étienne ici. Amen. Si vous me voyez ici, c'est que vous voyez le pasteur Apollos ici. Amen. Je ne suis qu'un envoyé. Je suis envoyé ici au nom de tout le groupe. Amen. Amen. Pour donner des messages d'encouragement à l'église de Liberté. Amen. Yeah. Pour bénir aussi l'église de Libreville. Et aussi transmettre le message du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur aussi a un message particulier pour vous. Amen. Et vous savez que le Seigneur, c'est lui qui vous a appelé, il vous connaît. Il connaît les efforts des uns et des autres. Donc, le message qu'il va vous transmettre, je vous prie d'être concentré. Amen. Oui. Être concentré, ça veut dire quoi? C'est se disposer. Amen. Amen. C'est de suivre les orientations, les indications qui sont communiquées pendant le programme. Alléluia. Donc, c'est un programme de réveil spirituel pour suivre l'église de Libre. Alors, notre mission ne va pas seulement se limiter à Libreville. Il y a aussi nos frères et nos soeurs qui sont de l'autre côté de Port-Gentil qui attendaient depuis aussi cette flamme. Vous voyez, cette chaleur que vous sentez de loin de servir le Saint, de sortir d'aller évangéliser. Eux aussi, ils se patientent de recevoir cette même chaleur-là. Donc, le Seigneur dit à eux aussi, il faut qu'on allume le feu chez Jésus. Amen. Amen. Donc, après l'étape de Libreville, nous allons sauter directement à Port-Gentil. Oui. Est-ce que les gens sont gentils là-bas? Ils sont gentils, non? Alors, s'ils sont gentils pour recevoir l'évangile, nous allons prêcher l'évangile. Amen. Et par la force du Saint-Esprit, nous allons établir l'assemblée de Port-Gentil. Donc, si tu vas à Port-Gentil, tu peux servir le Seigneur. Si les gens ne peuvent venir à l'Église, ils peuvent aussi servir le Seigneur. Donc, quand notre mission va là, en gros, nous sommes là jusqu'au 17 mai. Mais sur l'église de Libreville, notre mission termine normalement le jeudi 9 mai. Parce que le vendredi 10 mai, nous irons à Port-Gentil et nous allons revenir le mercredi 15 mai. Donc on aura un culte officiel. Même ceux qui sont morts, on va les assister pour aller au culte. Amen. Le jeudi. Le grand culte d'assaut de grâce, celui qu'on n'a jamais fait. Amen. Alléluia. Oui. On va le faire le jeudi 16, c'est ça, le 16. 16 mai. Amen. Ici. Alléluia. Amen. Et nous allons célébrer le Seigneur. Le Seigneur va encore équiper son église, va encore mieux organiser les choses. Et vous allez voir le réveil phase 2 pour le Gabon. Depuis hier, nous étions là, nous avons rencontré quelques bien-aimés. C'est normal que beaucoup n'ont pas rapidement pris le train en marche. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser raconter l'événement. Amen. Donc, nous espérons que demain aussi, ceux qui sont à la maison vont faire l'effort de manifester leur présence parce que c'est très important. C'est ici que ça se passe. Alléluia. Amen. Alors,
le programme de réveil suit une direction donnée, conduit par un thème. Et le thème, je pense que depuis hier, vous l'avez le thème. Le thème, c'est quoi? On va se déjà, on va bon, je sais quelque chose. Le thème, c'est quoi? Quel est le thème de notre programme? Le thème. Si quelqu'un ne dit pas, là, on va nous ouvrir le, la porte, elle va partir. Je vais partir. Là, on va dire que tu es le tout. Alléluia. On va te dire, mon ami, comment tu as fait pour venir ici? Parce que tout le monde a reçu une invitation. Tout le monde a, s'est apprêté, mais toi, tu ne t'es pas apprêté. Alléluia. Quel est le thème? Le thème. Le thème de notre programme. Non, faut pas lui dire. D'accord, ils ne savent pas ce que c'est. Quel est le thème? Le thème. Allez, le chercher si quoi. Je connais pas ce qui va se faire. Et quoi? J'ai bâtiré des anciennes rues. J'ai bâtiré des anciennes rues, c'est ça. C'est ça, non? Je rebâtirai, je rebâtirai, c'est la même chose. C'est la même chose. Je bâtirai, je rebâtirai. Hey! Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple. Mais vous avez vu pourquoi? Vous avez vu pourquoi? Hein? Quelle est l'ordre de votre invitation? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la lettre d'invitation? Ils ont écrit quoi? On vous a invité pour quoi? Pour venir danser, c'est ça? Hein? Mais répondez-moi! Le thème qu'on a publié partout là, vous n'avez pas vu ça? Même aujourd'hui, on a même fait la photographie. Même les païens sont courants. Hey! Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Je fais quoi? Je me bâtirai sur les anciennes rues. Quelqu'un peut vous souvenir comment le Seigneur vous savez. Alléluia. Le thème est intitulé Je repartirai sur l'ancienne rue. C'est un français très soutenu. Si on va dire, je repartirai sur les anciennes rues. C'est la même chose. Amen. Je repartirai sur les anciennes rues. Alléluia. Voilà le thème. Le thème d'avoir le conduit de ce jour jusqu'au dimanche. Je repartirai sur les anciennes rues. C'est une prophétie. Tu l'as dit de chaque personne. Alléluia. Ta vie qui est devenue une rue, le Seigneur dit tu vas repartir sur cela. Il y a des gens qui disent avant j'étais riche, avant j'étais prospère, maintenant je ne suis plus prospère, je suis devenu mendiant. Il dit tu vas repartir sur ces ruines ta vie d'avant. L'église de Libreville. Église de Libreville, le Seigneur dit ceci. Tu repartiras sur les anciennes ruines. Tu vas relever les points d'antiques. Tu seras électeur dessus de tout. Et ceux qui te méprisaient vont te rechercher. Ceux qui te trahiraient. Le thème, je le bâtirai sur les anciennes rues. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit je le bâtirai sur les anciennes rues, c'est un message que quelqu'un
désespéré, quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui se voit peut-être à la fin de sa vie qu'il a vu que rien n'a plus marché. On vient le souffler pour dire, mon ami, non, ta vie sera relevée. Donc c'est un message d'espoir. C'est un message de renouvellement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des briques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les sables. C'est ce qu'on appelle le mur. Et la vie de beaucoup est devenue comme ça. La vie est devenue une rue. Et ils vivent au milieu des rues. Au milieu du désert, au milieu de la poussière. Au milieu de la cendre, la vie de la honte. Alléluia! Ils n'ont qu'à tout détruire. Laissez-les. Ils n'ont qu'à tout enlever. Mais lui, le réparateur des prêches se lèvera. Se lèvera sur son église. Et va lever son église. Alléluia. Peuple de Dieu, ce message, lorsque nous l'avons reçu, on se posait la question du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu vas rebâtir cette église? Cette église qui a été brûlée. Cette église qui a été saccagée. Cette église qui a été dépouillée. Tu dis que tu vas lui rendre toute sa beauté. Tu vas lui rendre toute sa gloire. Tu vas lui rendre tous ses ornements. Il dit, c'est parce que l'ennemi est venu pour prendre la gloire de l'église. Lisez-moi 1 Samuel 4. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la gloire perdue. La gloire perdue. La gloire perdue. 1 Samuel 4. Le verset 19. Lisez-moi pour le verset 19. 1 Samuel 4. 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la voix de la prise, lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort et de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Regardez cette femme. Il y a une situation qui s'est passée en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Lorsque vous allez remonter en arrière, vous allez comprendre que c'est une histoire qui concerne la maison d'Élie. Élie le sacrificateur qui avait des enfants rebelles, des enfants impolis. Alléluia. C'est aussi ainsi pour nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, étant encachés dans l'église comme les défenseurs de la vie du Seigneur. Le Seigneur aussi nous interpelle à propos de l'éducation que nous donnons aussi à nos enfants. À cause de nos enfants, la gloire de Dieu peut quitter la famille. Alléluia! À cause
la gloire de Dieu disparaît. Lorsque mon frère fait mal et je ne reprends pas mon frère, la gloire de Dieu peut disparaître. Amen. Lorsque je vois le mal et que je me tais, la gloire de l'Éternel va disparaître. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Dieu. Et le jugement que Dieu a donné sur Élie et sa maison, il dit qu'il n'aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Ça veut dire que la mort prématurée sera pour ta maison. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu même qui a parlé. Il dit, Élie, toi, à partir d'aujourd'hui, je vous frappe ta maison de la mort prématurée. Plus personne n'aura de cheveux blancs. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc, ici, à cause de la faiblesse du sacrificateur Élie par rapport au comportement malsain, malveillant de ses enfants, l'âge a été pris. Vous savez, l'âge représente tout pour Israël. Lorsque Israël est dans un combat, il voit que le combat devient difficile, ils vont chercher l'âge. Et lorsque l'âge est là, quel que soit le combat, ils vont toujours gagner. Amen. Donc l'âge qui symbolise la présence glorieuse de l'Éternel a été pris. Donc on ne peut pas même la gloire de Dieu. Pas qu'on a pris Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On ne peut pas prendre Dieu. Amen. Qui peut prendre Dieu? Personne ne peut prendre Dieu. Mais on peut prendre ce qui représente Dieu en vous. On peut le prendre. On peut prendre ta vie de prière. Alléluia. On peut prendre ta vie de consécration. On peut prendre ton zèle. Parce que tout ça attire Dieu dans ta vie. Amen. Et quand on prend ça, tu es dépouillé de la gloire. Toi, qui pouvais parler avant, parler de Jésus, et les gens s'empressaient de t'écouter. Je dis, ma soeur, oh, je me dépouille, j'enlève mes chutes, j'enlève mes messes, j'enlève tout, parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, tu peux crier, tu peux prendre tout ce que tu as à parler à quelqu'un, la personne ne sera jamais convaincue. La gloire disparaît. Cette gloire qui t'accompagnait a disparu. Pourquoi? La gloire n'est pas partie comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé en Israël ici. Là, ça a été apporté par l'ennemi. L'ennemi est venu en Israël. Il est venu sur leur propre territoire. Les Philistins n'ont pas croisé l'âge sur la voie. Non. Là, c'est caché quelque part. Ils sont venus récupérer l'âge. Donc lorsque vous vous comportez mal, l'ennemi vient la prendre au sein du temple. Dieu qui représente Dieu en vous. Il va enlever la crainte de Dieu. Vous allez mal vous parler. Tel est comme ceci, tel est comme ça. Tel est méchant, tel est comme ça. Et ça commence. Vous pensez que la gloire va rester là? Elle le restera. En fait, c'est pas que l'ennemi est venu pour la gloire. C'est que Dieu se retire, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que je veux vous expliquer. Dieu se retire dedans. C'est tout. Le diable ne peut pas prendre Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Amen. La gloire perdue. Libreville a perdu cette gloire. L'église de Libreville a perdu cette gloire. Regardez cette gloire. Qui a la tête de cette église au début lorsque cette église était implantée? Regardez cette choix. Allez regarder les anciennes vidéos pour voir la gloire qui était sur l'église. Allez. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Chacun est responsable. Alléluia. Chacun est responsable de sa vie. On ne dira pas que c'est la faute de telle personne. On ne dira pas que c'est la faute de telle autre. Non, vous êtes responsable. Chacun de vous, vous avez contribué à quelque chose. Chacun doit reconnaître cela. Il reconnaît tes fautes. Reconnaît que tu as fait mal à
Arrête de te justifier. Arrête de chercher le coupable ailleurs. Le vrai coupable, c'est d'abord toi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alléluia. Amen. Nous sommes devenus aujourd'hui des nostalgiques. On vient d'église. Oh, avant. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est possible? Où est-ce que tu as mis ta gloire? Où est-ce que tu as mis ta gloire? Où est-ce que tu as mis ta belle robe, ta belle parure? Quand j'étais dans la revêture au début de ce réveil, tu as vu. Tu m'as dit que les sorciers sont plus. Non. Vous avez accusé les sorciers, n'est-ce pas? Vous avez accusé le sucre, c'est ça? Non. Ce n'est pas eux les coupables. C'est vous. C'est vous. Parce que je suis dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Jésus ne m'a pas dit ça. Mais si ça a été renversé, si les murs sont tombés, c'est la folie. C'est pas l'ennemi, c'est les occupants. Tu ne peux pas dire que la maison c'est tout sur toi. Alléluia! Peuple de Dieu, où est la gloire? Où est la gloire? Posez-vous la question. Où est la gloire? Avez-vous la gloire où? Chacun a pris sa partie. Et vous dites que vous honorez le Seigneur, c'est ça? Vous dites que vous travaillez pour le Seigneur, c'est ça? Vous abusez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le camarade de quelqu'un. Le Seigneur n'est pas le parent de quelqu'un. C'est le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Une église qu'on a laissée qui s'est déchirée. Quelques mois après, il s'est déchirée.
particulièrement attend avec une attente ici la révélation de Fils de Dieu. Le diable attend cette lumière, mais regardez le prix qui a été payé pour ça. Le Seigneur paye le prix, qui a payé à la croix, il est mort sous sa coulée. Et non seulement, ça n'a pas suffi. C'est ces gens qui sont venus. Ils ont pris tous les risques pour être là. Et ont planté aussitôt, vous vous êtes battu, vous vous êtes déchiré. Et vous avez tout dit. Et voilà le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. En termes de ma sociologie aujourd'hui, l'église doit être remplie. L'église doit être remplie, c'est ça, le fruit. Il dit, afin que votre fruit demeure. Lorsqu'on vous a établi cette porte de fruit, quel fruit vous avez porté? Fruit de division, fruit de calomnie, fruit de dénigrement, fruit de crainte de dispute. Fait de sorcellerie. Vous savez ce que vous avez compris. Mais c'est ça que vous allez présenter devant le Seigneur au grand jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui parle parce que peut planter quelque chose depuis 2 ans et ça ne va pas porter le fruit? Qui? Et qui continue toujours à prendre soin de ce plan? Et même pas la rate. Ce regard le Seigneur tient vraiment à cœur sur lui. Pour vous, c'est que vous voulez qu'on connaisse une des meilleures personnes sur ce site, non, c'est pas comme ça. Si les meilleurs venaient là, regardez l'état dans lequel ils sont. Parce qu'il n'y a pas un fond, il n'y a pas un solide fondement entre vous. Regardez dans l'équipe primitive, regardez cette gloire qui caractérise cette église. La Bible dit qu'on ne peut pas la différence entre le pied de Bichamel et le pied du frère âgé. Tout est commun. Avant, on parlait de communauté. Communion, union, unité. Ce sont les mots qui se partageaient avant. Et l'église était bénie. Soit c'est pas entre. Le jour où un petit mensonge veut faire entrer dans cette église, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort qui s'en est suivie. C'est ça en réalité. Juste mensonge. Ils ont vendu leur propre bien. C'est quoi, non? C'est pour l'église? C'est quoi? Mais parce qu'ils ont retenu parti. C'est qu'ils ont retenu, mais pas, ils n'ont même pas dépensé, ça, c'est encore là. Mais à cause du mensonge, l'esprit les a frappés de mort. Vous voyez, ça c'est la grâce. Hein? La grâce. La grâce est trompeuse. Alléluia. Le Dieu de la grâce est plus sévère que le Dieu de la loi. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que si vous passez la grâce là, vos choses sont terribles que même les gens, autant de Noé. C'est ce que Jésus va dire à cette fille. Quand on le jour du jugement, sur les autres pommes tellement vont vous accuser. Ils seront moins traités que vous. C'est ce que ça veut dire. Les rébellions passent par là. Des manques de respect. Mais au-delà de tout, il y a une sphère qui est restée. Il y a une sphère qui est restée fidèle. Alléluia! Tout n'est pas pourri. Tout n'est pas mauvais. C'est à cause de ce peu-là que le Seigneur est compassionné pour lui. Pour relever son église. Seul l'Esprit de Dieu sonde les cœurs. Jérémie dit que le cœur de l'homme est comment? Tortueux et méchant, pas des soucis.
l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire, ce n'est pas la bouche qui se réconcilie. Ce n'est pas les mains qui se réconcilient. Ce n'est pas les pieds qui se réconcilient. Mais ce sont les cœurs qui se réconcilient. Vous ne vous réconciliez pas par les cœurs, mais par les lèvres. Ah oui, je te demande pardon. On fait la paix. Non, frère, arrête ça. Ma soeur, il faut arrêter ça. Si tu n'es pas cessé, arrête-moi ça. Nous disons au païen que les temps sont finis. Mais nous ne nous rendons jamais compte que les temps sont finis aussi pour nous. Vous ne vous mirez jamais dans le miroir du Saint-Esprit pour sauver votre propre vie. Nous sommes instructeurs des hommes, mais nous sommes incapables de nous gorger nous-mêmes. Nous sommes les maîtres des hommes, mais nous sommes incapables de disperser notre vie. Vie d'hypocrisie. Je m'assieds à côté de lui alors que je ne sais pas. Dans mon cœur que je me hais, je me déteste. Je ne supporte pas. Je sais que c'est du mensonge qui est dans mon cœur. Tu es méchant. Et ce que le Seigneur dit, tu es méchant. Tu es méchant. C'est à cause de tout ça que le diable a trouvé des failles pour entrer dans l'église. Et il a pris ceux qui sont pour lui. Alléluia! Ils ne prendront jamais ceux qui appartiennent au Seigneur. Yes. Je suis le plus persuasé, Judas. Judas n'était pas, il n'était pas démon. Non. C'est ce que vous ne savez pas. C'est bien la fin que Jésus a dit qu'il a été démon parce qu'il a laissé Satan corrompre son cœur. On peut te dire que toi tu vas trahir, mais si tu ne le fais pas, et que tu es dans le plan de Dieu. Quand Satan a voulu prendre Pierre, il n'a pas pu prendre Pierre. Parce que Pierre n'est pas pour lui. Quand il a voulu prendre les autres, il n'a pas pu prendre les autres. Mais quand il a trouvé pour lui, il a pris Judas qui est pour lui. Il est parti avec Judas. Donc ceux qui sont de Satan sont partis. Malheureusement pour eux, c'est que les gens ne savent pas. Quand on parle de malédiction générationnelle, les gens ne savent pas qu'eux-mêmes créent des malédictions générationnelles pour les enfants, pour les descendants. Du moment où vous rébellez comme l'autorité, vous attirez la malédiction sur vous. Est-ce que ma génération, ceux qui ne savent pas, il est simple que vous réussissez de ces unions, sont frappés de malédiction parce que leurs parents, leurs ancêtres, ont été maudits à cause des comportements qu'ils ont eu à malverser. Vous comprenez le rébellion, des soumissions. Il ne faut jamais suivre la rébellion. Ne suivez jamais les rebelles. Amis, dit heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas accompagné de qui? Des moqueurs. Heureux celui-là. Mais malheur à celui qui s'assied, qui marche avec les rebelles, qui marche à table avec les rebelles. Malheur celui-là. Malheur, malheur, malheur. Maintenant, une malédiction sur toi. C'est ce que ça veut dire. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens ont pris Dieu comme un fond de commerce. Les gens ont pris Dieu comme un moyen. Tu fais plaisir à la chair. Des personnes pour qui on a jeûné à prier qui se lèvent. Un enfant qui se soulève pour son père. Comment peut-on appeler cet enfant? On peut l'appeler comment? Vous pouvez se mettre. Maudit. Maudit! En Israël, de tel enfant doit être lapidé. C'est ça la sentence de la loi. Celui qui t'a enchanté, celui qui t'a enchanté dans le ministère, celui qui t'a imposé la main, tu vas te révéler contre celui-là. Mais celui qui se lève faux, tu ne vas pas le faire. Mais celui que ta mère sorcière,
tu ne peux jamais te lever, lever la main contre ta mère. Les gens ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand le diable a besoin de toi, il va t'utiliser. Quand il voit, tu vas te jeter. C'est comme tu devais une peau de banane. Lorsque tu manges la banane, là, tu manges avec la peau. Ça devient inutile, non? Allez, on jette. Le citron. Ils vont commencer par elle. Il a fini sa mission, c'est de casser, c'est fini. Allez. On prend une autre personne. Là, viens ici. Et là, fais-moi ça. Allez, viens finir avec toi. Je te jette. C'est ce que le diable fait. Il se sert des sons pour détruire. Quand il finit avec toi, il te jette. Ils te jettent. Ils sont partis. Nos mains sont toujours ouvertes. On ne va rejeter personne. Alléluia. Amen. Un père ne rejette jamais son enfant. Mais que l'enfant prenne soin de se rappeler que j'ai un père. J'ai offensé mon père. Ce n'est pas dit papa, pardon. C'est ça, ça dirait. Non. Jésus. Lisez-moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1er, je lis avec respect. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet. Il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes. N'êtes-vous pas charnel, voilà, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis... En effet quoi? Puisqu'il y a quoi? Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. De la jalousie. La jalousie. Il y a la jalousie, il y a quoi? Et disputes. Et disputes, il y a quoi encore? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand on dit l'homme, là, quand on dit l'homme comme ça, c'est écrit, c'est Satan lui-même. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit d'où viennent les querelles? D'où viennent les disputes? D'où viennent-elles? N'est-ce pas dans vos mains? N'est-ce pas dans vos bouches? N'est-ce pas dans vos yeux? Vous êtes devenu charnel. Jésus dit quoi? La chair ne sert à rien. Ceux qui marchent selon les désirs de la chair ne pourront accomplir la volonté de Dieu. Ils sont appelés les fils de la rébellion. Parce que, à contrario, la Bible dit que ceux qui marchent par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Or l'esprit et la chair sont ennemis. Donc la chair a pris le contrôle. Beaucoup sont malades là. Beaucoup sont malades. L'église qui est censée apporter la paix, la guérison, la joie dans les cœurs, qui doit jouer son rôle, l'église a manqué cela parce que l'église a été saccagée, a été ruinée. Le Seigneur interpelle chacun. Toi qui me suis, peut-être tu fais partie de cette assemblée. Et toi aussi, tu as contribué à ce qui s'est passé. Parce que le fait même que tu ne sois pas venu, c'est aussi un signe que tu as contribué. C'est ce que ça veut dire. Parce que le Seigneur ne peut pas ouvrir un troupeau et que toi tu vas sortir du troupeau de la bergerie pour dire que tu veux
peut-être avant la paix. Tu étais où? Tu étais dehors. On t'a amené dans la bergerie. Et tu ressens pour chercher la paix dehors. Qui t'a dit que la paix est dehors? Qui t'a dit ça? Non, je vais rester à la maison, je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. Quelle face tu veux chercher? Quelle face? Avant de quel Seigneur tu veux chercher? Alléluia! Amen! C'est ça qu'on appelle les chrétiens chanel, les chrétiens chanel. C'est vrai qu'il cherche la face du Seigneur comme ça. Tu as un problème, tu as un conflit avec ton frère qui dit que je vais chercher la face. La face de qui? Du problème? La Bible dit quoi? Si ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il veut faire? Vous faites quoi? Non. Là, il y a Patrick, il dit pardon, pardon, hein. Il faut pardonner, il faut pardonner. Et il dit Seigneur, j'ai fait la paix, tu te trompes. Parce que le Seigneur dit que tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne, tout ça. C'est ce que ça veut dire. Je ne pas ce que tu as dit à l'église de Cotonou. On ne va pas sur la montagne pour aller faire la paix avec Dieu. Non! Fais la paix avec ta frère dans sa montagne. Tu as des problèmes avec les gens, mais tu penses que c'est sur la montagne que tu auras la paix. Non, frère, c'est pas ça. Au lieu de prendre des 40 jours de jeûne là, tu n'as pas besoin de ça. Va avoir la paix, va demander pardon, supplie ton frère. Vous me lisez Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Oui. À partir du premier verset. Oui, verset premier. Mon fils. Si tu as consulté ton prochain. Si tu as des problèmes avec ton prochain. Si tu t'es engagé pour autrui. Si ton prochain t'a fait quelque chose de mal. Ou tu as fait quelque chose. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Si tu as mal au cœur. Si tu es pris par les paroles de ta bouche. Attends. Si tu as mal au cœur. Si tu te sens mal, si tu es blessé, écoute la parole du Seigneur. Amen. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, oui, fais donc ceci. Voici ce que tu vas faire, mon frère. Mon fils. Voici la montagne, c'est ça. Faut me dire ça, c'est tout. Faut me dire ça. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton père. Ma fille, fais quoi? Dégage-toi. Dégage-toi, libère-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, et fais des instances après lui. Demande-lui pardon, mon frère, oh, pardonne-moi, je suis cessé, pardonne-moi. Alléluia! C'est ça, insiste. On n'a pas dit faut aller sur la montagne, on n'a pas dit prends tous de jeunes là, on a dit ça. Prends 40 jeunes, on a dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ton souci, mon fils. C'est la sagesse qui parle. Fais donc ceci. Reprends encore. Fais donc ceci. Ahem. Mon fils. Dégage-toi. Dégage-toi pour te libérer maintenant. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ahem. Va. Va. Prosterne-toi. Prosterne-toi. Et fais des instances auprès de lui. Supplie-le. Insiste. Parfois, tu peux aller avec des présents. Alléluia. Tu ne savais pas. Tu peux aller avec des cadeaux. Vraiment. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ceci. Parce qu'on dit quoi? Les cadeaux corrompent les cœurs des rois. Des juges. Lorsque tu donnes un cadeau à un juge, il va trancher en ta faveur. C'est comme ça. Dis va, prosterne-toi, fais des instances. Mais est-ce que vous avez dit? Chacun se dit non, c'est moi, c'est celui qui m'a poussé, celui qui m'a fini d'abord. C'est elle. Chacun a son fauteuil d'orgueil. Et personne ne veut s'humilier. Chacun se dit j'ai raison. C'est elle qui a fait ça. Mais pourtant tu dis que tu es sur la montagne, quoi le voir, quoi le côté qui? Le père de l'orgueil, c'est ça. C'est le père de l'orgueil, tu vas coûter parce que tu pars avec l'orgueil. Si tu vas sur la montagne avec l'orgueil, tu vas croiser le père de l'orgueil.
est celui qui va te parler, qui m'a parlé. Non, l'enquête m'a parlé. Mon père Satan m'a parlé. C'est ça. C'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Parce que là, il va contredire la parole de Dieu. C'est là où l'enquête vous a conduit. Même si c'est toi qui es blessé, va, c'est toi. Parce que le pardon, le vrai pardon, vous savez que le vrai pardon, c'est quoi le vrai pardon? Le vrai pardon, a été amené à être sauvé. Parce que vous lui donnez, c'est vous qui êtes offensé, mais vous lui donnez encore le pardon. Juste ce que son cœur soit brisé et qu'il s'ouvre et que ses yeux s'ouvrent pour dire, ah, c'est moi qui suis un erreur. Vous ne l'avez pas converti? Mais vous l'avez converti. Pour qui? Pour le Seigneur. Mais, l'orgueil, moi non, je ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas me faire ça, moi je suis là avant. C'est moi qui lavais les pieds des gens de Dieu, c'est moi qui lavais les vêtements, c'est moi qui donnais à manger. Elle est venue après. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est déguisé d'être lui. Je vous dis la vérité. Avec une grande grâce. Il y avait une grande grâce qui était sur l'église. Même les sorciers qui étaient parmi vous. Dieu avait un plan aussi pour eux aussi. Ils ne pouvaient rien faire contre vous. C'est ce que je partageais avec l'homme de l'essence de Dieu, le pasteur. Je disais, je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur avait dit dans la parabole de ce mal de laisser livrer. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur de laisser livrer. Il a dit de laisser livrer. Laisser livrer. Non, 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 ne veut pas. Il dit livrer, c'est la fille du méchant. Toi, c'est les sorciers livrés. La bonne graine, c'est les croyants, les chrétiens. Ils sont dans l'église. Et livrés aussi dans l'église. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser les sorciers. Il dit, attendez, c'est le maître qui parle. Il dit, attendez. Ne le faites pas comme ça. Parce que en voulant enlever les sorciers, vous allez aussi enlever les chrétiens. C'est-à-dire, la semence de sorcellerie va être votre travail lorsque vous voyez un frère avec les sorciers. Lorsque vous voyez des soeurs avec des compagnies avec les sorcières. Et vous allez la chasser aussi. Vous allez chasser les sorciers, chasser aussi le frère. C'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire que là, l'Esprit de Dieu a donné sagesse. Ce n'est pas pour autant que les sorciers vont rester dans l'église. Alléluia! Parce qu'il a dit, il a donné comment ça va se passer, lui-même qui va envoyer. Parce que lorsque vous demeurez dans cette unité, vous les cœurs sont unis, vous servez les uns les autres. Alléluia! Amen. Vous entraînez, vous humiliez les uns devant les autres. Vous allez voir, eux les vont rentrer, ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire que la puissance de Dieu qui est là va les déranger. Alléluia! Ça va les troubler. C'est ce que je disais le dimanche passé. L'amour est quelque chose de très très puissant. L'amour c'est quelque chose de terrible. Spirituellement, comme vous le savez pas. C'est une âme éternelle. Alléluia! L'amour ne finit pas. Les autres choses finissent. La Bible dit il y a trois choses qui restent après toutes choses. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses demeurent éternellement. On n'a pas dit que l'épée demeure éternellement. On n'a pas les études demeurent éternellement. On n'a pas les calomnies. On n'a pas dit la sorcellerie demeure éternellement. Mais on a dit l'amour demeure éternellement. Amen. Mais vous voulez lutter avec quelle âme? Avec les âmes éphémères, les âmes faibles, la haine, la jalousie. Il m'a fait ça, je vais faire ça. Vous ne ressemblez pas à votre maître. Il dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Mais vous êtes né de l'esprit. Où sont les fruits de l'esprit? Où sont les fruits de l'esprit? Vous voulez raisonner comme Nicodème pour rentrer encore dans le pont de votre mère pour faire une autre naissance? Vous voulez qu'on fasse encore une nouvelle naissance? Le Seigneur Jésus pleure pour cette église. Il pleure pour les âmes qui sont perdues. Qui sont perdues. Elles sont perdues comme ça. Elles sont finies, elles n'ont plus rien fait. Elles sont perdues.
Cherche ma rencontre. Cherche ma rencontre. D'autant vous les appelez, ils ne veulent même pas décrocher. Parce que le niveau de désolation, de déception a dépassé la saison. Il ne veut même pas vous sentir. Pourtant, j'en ai promis, il ne veut pas vous sentir. Tes âmes sont parties. Et c'était hier ici avec vous. Vous louez vos évangiles. Tout est parti. C'est pourquoi le Seigneur dit ce soir, la gloire qui est perdue, chacun doit s'identifier. Je n'aime pas la paix qu'on fait sans une conviction. C'est une malédiction. C'est pas chaque fois que je le dis. Si c'est une malédiction, tu ne comprends pas ce que je dis. Si c'est fait une malédiction éternelle sur ta vie, si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas pardonner et après tu as dit, je vais le rendre quand même, je vais le rendre. Il ne faut pas pardonner parce que pas émotion. On ne pardonne pas par émotion. On pardonne du fond du cœur. Tout le monde fait, je l'ai fait. Tout le monde fait, tu fais du soir, dis-toi. Les autres ont mangé la nourriture. Ils ont mangé le pain, ils ont bu le sang de Jésus, mais eux, ils ne sont pas morts. Mais Judas a mangé et il est mort. Ce qui donne la vie aux autres, il donne la mort à toi. Le Seigneur vous aime malgré tout. Amen. Il aime le pécheur malgré tout. Malgré que le péché le pointe au cœur encore à nouveau. Malgré que le péché le l'amène encore sur la croix. Il continue encore de l'aimer. Est-ce que nous allons abuser de cet amour? N'est-ce pas les païens qui ont besoin d'amour? N'est-ce pas les païens, les gens du dehors qui ont besoin d'amour? N'est-ce pas les prostituées qui ont besoin d'amour? N'est-ce pas les voleurs? Les alcooliques que nous rencontrons sur la voie? Les satanistes? C'est pas eux qui ont besoin d'amour de Dieu. Cet amour-là, c'est pas eux qui ont besoin d'amour. N'abusons pas de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Malgré tout, il vous aime. Il ne vous a pas rejeté. Il ne vous a pas renié. Même si vous l'avez fait. Lui, il est resté toujours fidèle à sa parole. Il n'a jamais changé. C'est ce que nous pensons. Dieu n'a jamais changé. Il est le même. C'est le péché qui cache notre face. Sa face plutôt. Dis-moi, Esaïe 59. Alléluia. Esaïe chapitre 59. À partir du verset premier. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Vous avez entendu, je reprends cette partie-là. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous. Ce sont vos crimes, les crimes que vous commettez. Il dit quand vous levez la main pour dire Seigneur, oh nous te louons Seigneur, nous t'élevons. Il dit quand vous faites ça là, vos mains sont tachées de sang. C'est les mains des criminels que vous montez. Alléluia! C'est ces mains que vous montez, que vous soulevez comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais des criminels. Il dit ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Sa face. Qui vous cache sa face. Voyez! Tu es là souriant sur son trône et te regarde. Mais parce que tu as péché, tu penses que Dieu est en colère. Ton péché a dénaturé Dieu. En t'affichant un Dieu colérique, un Dieu revanchard, un Dieu méchant. Pourtant, derrière les deux, il est tout en dessous. Il est le même hier, le même aujourd'hui, et le même éternel. C'est que notre Dieu est merveilleux. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. Dieu là, c'est pas, il faut être comme Dieu. Ton frère peut te faire quelque chose de mal. Mais Dieu, c'est lui qui se comporte comme ça aussi. C'est que nous le faisons tellement mal, mais qu'il nous voit, il nous sourit, il nous prend comme on a fait du bien. Parce que c'est là où il va réprimander ça. Mais lui, tu n'es pas comme nous. Il sait que tu as commis un adultère et qu'il te prend encore. Il dit, ma fille,
je te bénirai, je te fais ceci, oh, tu persévères. Mais là où il va te parler, c'est à sa vie. C'est ça Dieu. Dieu ne va pas mélanger ce qui veut faire la bénédiction avec ton mal. Non, il ne fait pas ça. Hein? Pour Dieu, il ne va pas faire la fois, non. Tu sais, non, mais ce n'est pas grave. Je te donne quand même. Donc Dieu ne fait pas ça. Dieu ne rappelle pas quoi? Les fautes. Celui qui rappelle les fautes à quoi? C'est un diviseur. Lui rappelle chaque fois les fautes. Ce qu'on a oublié avant, même avant le rebelle, ce qu'on lui a fait, il continue de rappeler. Hein? Avant que les hommes de Dieu voulaient venir, tu sais ce que tu avais fait là. Aïe! Parce que, on est déjà venu, on est parti, on est encore revenu. On peut oublier ça. Tu as tué encore dans le passé. Ça, c'est les femmes, ça. C'est-à-dire, ce que tu lui as fait, même sans le savoir, il y a 10 ans, il y a ça en détail. Elle te rappelle ça. Ce sont des barrières au Saint-Esprit. Ne restez pas dans l'église et au son de la trompette que vous soyez restés sur la terre. Parce que c'est que le diable va tellement torturer ceux qui vont rester. Parce que c'est eux qui l'ont agressé, c'est eux qui se moquaient de lui. Quand le Seigneur avait son esprit encore sur la terre, maintenant l'esprit est parti. Le sang de Jésus est parti. Maintenant, il faut crier maman. Il faut crier Jésus maman. Il faut que Jésus se combatte. Rien ne va arriver. Parti, les temps sont finis. Rien. Plus personne ne va évangéliser. Plus personne ne va t'écouter. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit le vrai jeu. Le vrai jeu. Alléluia. Amen. Nous allons lire, nous sommes pratiquement à la fin, le temps est pratiquement parti aussi. Lis-moi Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 1er. Je lis avec respect. Oui. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà, c'est ce que je faisais. Parce que ce matin, de crier, de parler à ce peuple, de parler au cœur de ce peuple, de lui rappeler ses iniquités, de rappeler la maison, Jésus revient de libre-vie, ses iniquités. Tous les jours, il me cherche. Oui, tous les jours, il me cherche. Tous les jours, il vient à l'église. Tous les jours, il prie. Chacun prie dans sa maison. En tous, il prie. Il m'appelle. Seigneur, aide-moi. Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, lave-moi. En tous, me cherche tous les jours. Il m'appelle. Ils veulent connaître mes voies. Oui. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Voilà. Comme des personnes qui sont irréprochables. Eux tous s'appellent, Seigneur. Eux tous. Jour de lui, les veaux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Oh Seigneur Jésus, comme si c'était des saints. Comme des gens, des justes qui parlent. Le Seigneur voit vos cœurs. Je vous dis, le Seigneur exauce les cœurs. Pas vos gémissements, pas vos pleurs. Ça n'est pas l'influence, ça. Alléluia. Amen. Ça influence dans le Seigneur. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Voilà. Comme les gens qui nous avaient quitté la sainteté. Comme les gens qui nous avaient quitté le truc là, la sanctification. Ils parlent comme si ils sont toujours dans la sanctification. C'est les gens qui se tiennent plus au jour le jour. Dieu! Tout ce que chacun fait à la maison, c'est qu'elle le dit. Il dit, celui qui a placé les oreilles, n'entendrait-il pas? Tu peux pas attendre. Hein, vous pouvez continuer. Il me demande des arrêts de justice. Voilà, il dit, Seigneur, défends-moi. Seigneur, défends-moi comme mes ennemis. Seigneur, regarde, il me persécute la nuit, il me tourmente. Seigneur, aide-moi. Il me demande des arrêts de justice. Demande la victoire, demande la guérison. Alléluia.
c'est ce que Satan demande. Même le rebelle, c'est ce qu'il demande. Chacun fait son cinéma devant le Seigneur. C'est ça l'esprit de ce qu'il doit faire la police. Il désire l'approche de Dieu. Ah, on veut connaître Dieu maintenant. Nous voulons que l'esprit de Dieu habite en nous. Nous voulons être utilisés, nous voulons prophétiser. Prophétiser n'ira pas de qui? De Jésus. L'esprit de Jésus parlera dans ça. Hein, mon frère? Jésus va parler dans ça là. Les gens s'amusent. Vous savez, ceux qui disent ici, parlez de nous, la suite, la vérité, s'il vous plaît. Dites-leur de faire attention, c'est la mort. C'est que ils ont dit, et si pas la mort va les frapper sur le champ. Parce que juste là, le Seigneur prend les prend comme des ignorants. C'est des bébés, c'est un bébé. Mais lorsque le bébé ne veut pas changer, chaque fois c'est le même erreur qui va dire, il n'y a plus de bébé. Alléluia! Amen! Ici, pas les ténèbres. Ah! Et c'est des mensonges! Et je ne parle que de Dieu, de la rébellion! Et c'est pas les ténèbres! Dieu qui parle de la rébellion. Quel est ce Dieu qui parle? Ainsi pas de là-bas, ainsi pas de l'est, ainsi pas de l'autre côté. Il y a combien de ténèbres? Il y en a combien? Il y en a combien? Les gens savent que j'avais avec cet esprit. Et les gens sont là pour écouter ça. Ah, mais c'est la parole. C'est la parole. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, répétue-le. Quel est le Saint-Esprit? Seigneur, fais les grâces parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, fais les grâces. Seigneur, je te supplie, fais les grâces. Fais les grâces. Donne-lui encore une chance, Seigneur Jésus. Que reconnaisse ses erreurs. Continue, mon frère. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme. Amen. Deux sont fatigués, mais. Que le Seigneur nous devienne à l'église. Si on ne voit plus les signes du Seigneur, si rien ne change dans notre vie, si ma vie, la vie de prière ne prend plus, si je vois que je me marie plus, si voilà jusqu'à mon âge, oh, je n'arrive pas à enfanter, je n'ai pas ceci, que c'est-il? Et chacun se plaint. Chacun se plaint comme si il a quelque chose de bien et qu'il mérite ça. C'est ce que le Seigneur dit. Et il vient devant le Seigneur avec des requêtes. Comme si eux ils sont occupés leur devoir et que c'est Dieu qui l'a pas fait pour lui. Tu n'as pas fait pour devoir, tu demandes à ce que Dieu fasse pour lui. Dieu a déjà fait pour lui. Dieu ne travaille plus. Ou bien Jésus ne travaille plus. Vous pensez que Jésus travaille encore? Jésus ne travaille plus. Vous ne comprenez pas comme lui. Jésus ne travaille plus. Il est assis sur son affût de travail. Depuis. Il a fini le travail. Il ne travaille plus. Il a fini son œuvre. Il a su son tour. C'est son esprit qui amène chaque vaillant dans l'œuvre qu'il a accompli. Jésus a fini son œuvre. Ça veut dire entrer dans le repos de l'Éternel. C'est ce repos qu'il nous a offert à la croix. Pourquoi nous nous reposons de nos fatigues? Nous nous reposons de nos souffrances en lui. Oui, vas-y, mon frère. De mortifier notre âme si tu n'y as point garde. On jeûne, on prend des moments de jeûne, on va sur la montagne, on va dans la brousse, on prie, on fait tout. Dans la rébellion. Dieu va exaucer. Dieu n'exaucera pas. Oui, continue toujours. Voici. Le jour de votre jeûne. Voilà ce que vous faites. Vous vous livrez à vos prières. Attendez, voici ce que vous faites. Le jour quand vous priez, quand vous mettez, quand vous venez devant ma face. Quand vous êtes au milieu de vos frères, voici ce que vous faites. Vous dites que vous jouez. Jeûner ici, c'est pas se priver de l'autre que vous avez répondu, c'est pas ça. Alléluia. S'il vous plaît, c'est pas ça. Si vous comprenez ce que vous avez compris aujourd'hui. Jeûner ici, c'est pas se priver de l'autre. Non. Jeûner, c'est chercher Dieu. Jeûner, c'est se dépouiller des choses. Alléluia. Enlever les ornements. Jeûner, c'est abandonner le monde. C'est ça, jeûner. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous comprenez, ne pas vous n'avez pas compris ma prédication. Je ne suis pas dans cette logique pour parler. Alléluia. Oui.
Vous vous livrez à vos penchants. Vos penchants. C'est quoi vos penchants? Penchants. Penchants. Oui. Ça veut dire quoi? Vous vous livrez à vos penchants. Ça veut dire quoi? Vous vous livrez à vos. À vos. Désirs. D'accord. Vous vous livrez. À vos convoitises, d'accord. Vous vous livrez à vos activités ordinaires. Vous ne changez pas. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous faites au jour du jeu? J'ai enlevé les mèches, mais les mèches sont encore dans mon cœur. J'ai enlevé les talons, les hauts talons, mais les hauts talons sont encore dans mon cœur. J'ai enlevé les fossiles, les fossiles sont encore dans mes yeux. Je parle à certaines personnes. Pourtant, ils ont enlevé, mais ils voient ces choses encore dans leurs yeux. C'est qui a quoi être jamais dans votre vie? Tout ce qu'on voit dans le son, c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui vous l'aide, c'est pas Satan, c'est Dieu qui vous l'aide. C'est ce qu'il faut pendant le jour de jeu. Ah, nous, on ne regarde plus les décembres. Mais pourtant, les décembres sont encore dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait pas de particulier. On dit que la bouteille est sale à l'intérieur. Quand il lave la bouteille, tu as fait le travail. Tu avais quoi? Tu avais quoi? Rien. C'est juste de laver l'intérieur propre de la cellule comme ça. Là, on voit que l'intérieur c'est propre. Mais si l'intérieur est vraiment propre, là, les cellules sont aussi propres. Alléluia. Celui qui nettoie l'intérieur, les cellules sont toujours propres. Mais ce n'est pas la même chose que celui qui nettoie l'extérieur. C'est les hypocrites, les faux chrétiens, les faux convertis, les faux dépouillés. C'est eux qui repèrent vite, quand ils se fâchent, ils repèrent vite les mèches. Faut te fâcher, ça fait des problèmes. Alléluia. Faut menacer. Menace. Tu as répondu, faut répondre. Si tu veux jouer, je vais t'amener là où on fabrique les mèches, les longues mèches, hein, que tu peux porter jusqu'à Kanda, c'est ça là. Voilà! C'est que ça va me porter jusqu'à là. Pas dédicacé. Tu ruines ton temps pour âme et non âme. Et non l'âme du pasteur Joseph. Tu l'as beau critiquer, mais il est toujours debout. Alléluia! Oui. Tu l'as toujours critiqué, mais il est toujours resté fidèle. Et toi, tu es où aujourd'hui? L'homme n'est pas parfait, mais l'homme tend vers la perfection. En Christ, ils sont parfaits. La forme, tu critiques le blanc. Faut te mirer mille fois pour voir si toi tu es irrépréhensible d'abord. Si tu trouves une seule faute en toi, faut te taire. C'est eux qui savent tout, c'est eux qui connaissent tout le monde. Ah, c'est comme ça d'affaire, non. On ne voit pas, on ne sent pas le feu. Je ne sens pas le feu, je ne sens pas le feu. Tu ne sens pas l'enjeu. C'est toi qui ne sens pas. Il faut travailler sur toi. Quand l'enjeu va descendre à fond, ah bah ça va descendre. C'est toi. Hein? Quelqu'un empêche l'enjeu de descendre sur toi. Il faut travailler sur toi. Je ne suis pas délivré. Voilà pourquoi le langage, je ne suis pas délivré. Je ne suis pas délivré. Mais c'est le pasteur Joseph qui délivre. C'est le pasteur Joseph qui délivre. Je suis arrivé à lui. À qui tu vas dire? Qui te dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 36? Il dit: si le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Si le Fils en va ici, pasteur Joseph vous affranchit, vous serez réellement libre. Si après pas vous affranchit, vous serez réellement libre. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit: si le couple Jésus le vient vous affranchit, vous serez réellement libre. On dit: si le Fils, celui qui a le Fils le délivre. C'est comme ça. Toi, tu n'es pas délivré, l'autre est délivré. Tu as un problème. Il met ça dans la bouche. Il voit un mouvement, fait, il tombe dedans. Aïe, c'est bon. Il voit un autre mouvement, comme le fait, on laisse, on vient ici encore. Oh, je l'ai dedans. Ah, c'est bon, non, c'est pas comme ça. Il revient encore. Donc, il sort de se promener. Alléluia. Vous savez, quand vous changez l'église, là, vous ne pouvez pas votre parce que c'est votre question à zéro. Vous savez ça? C'est-à-dire, vous reprenez à zéro votre marche chrétienne. C'est ce que j'avais dit.
Ici, on ne prie pas, on ne prie pas beaucoup, on ne prie pas beaucoup. Tu veux là, on prie, on casse les murs, oui, là, on casse les chaises, on donne des coups de poing. C'est là que tu veux. Alléluia. C'est là que tu veux. C'est pas grave. On va te dire, tu vas trouver. Il voit n'importe quel mouvement, ils sont dedans. N'importe quoi, ils sont dedans. N'importe quoi, ils sont dedans. Tel programme de jeunes ici, ils parlent. Tel programme de jeunes, ils parlent. Ils sont partout. Ils ne mangent pas. On peut moins parler. Il veut la guérison. Guérison tout. Quelle est la vérité dans ça? C'est l'impatience. C'est de cela ne peut jamais persévérer. Ceux-là n'ont jamais la foi. Les chrétiens qui votent de Navaloka n'ont jamais la foi. Ils n'ont jamais la foi. Demain, ils vont revenir encore et dire oh, pardonnez-moi. C'est parti là-bas, c'est pas bon. Ils vont revenir. Ils vont faire quelque chose avec vous. Oh, c'est pas comme ça. Ils vont encore partir. Ils vont partir là-bas. Si c'est pas encore bon, ils vont encore revenir. Ils vont encore partir. Ils vont demander pardon. Ils vont encore revenir. Ils sont en train de tout monter. C'est quel genre de vie chrétienne ça? Alléluia. Amen. Continue, mon frère. Et vous traitez du renom tous vos mercenaires. Voilà. Voici. Voici. Vous jeûnez pour disputer. Vous jeûnez pour disputer. Vous dites que vous êtes dans la sainte doctrine. Et vous disputez. Vous vous disputez. Nous, on a notre groupe ici. Nous, on a notre groupe là-bas. Vous travaillez pour qui? Sanctifié pour vous disputer. Vous avez enlevé vos mèches et vos ornements pour vous disputer. Oui. Et vous querellez. Vous querellez. Oui. Querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce. Vous frappez méchamment du poing. C'est ça vous faites. Il te passe, c'est comme ça que tu as donné un coup de poing. C'est que tu rentres à la maison, tu n'étais pas pendant le chemin. Parce que quand tout fait mal, qu'est-ce que le truc là se bat? Il ne mesure pas de la portée de ses propos. Pas de ouais, 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 ouais. Comme machine à vapeur. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est la vie de sanctification à laquelle moi l'étais je prends plaisir? Un jour où l'homme... Est-ce que c'est ce genre de réveil que je vous ai appelé? Est-ce que c'est ce genre de vie que je vous ai laissé? Est-ce que c'est ça? Oui. Un jour où l'homme humilie son âme. Voilà. Une fois vous avez enlevé vos choses, vos ornements, et couper la tête comme un choc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Oui, là ça dit que à un moment donné, les gens se sont moqués de vous dire, regarde comment il a vieilli, regarde comment il est devenu bizarre. Et vous êtes devenu objet de honte dans la société. Parce que vous avez accepté. Mais cela, pour combien de temps vous avez fait ça? Beaucoup ont oublié le prix qu'ils ont payé. C'est que le diable là, il va vous faire oublier vos sacrifices rapidement. Et il va te déconcentrer même de la route, de l'objectif. Il va te distraire par les choses à côté. Et quand tu as fini de perdre ton temps, quand tu as fini maintenant de voir que tout est parti, c'est là maintenant que ça va venir. Tu as dit, si je savais, j'allais faire comme ça, comme tu sais. Le temps perdu est irrécupérable. Rachetez le temps. Alléluia. Quand vous arrêtez. Est-ce là ce que tu appelleras un jeu? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu appelles sanctification. Ça. Non. Jamais. C'est pas ça que tu appelles sainteté. Non. 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 Un jour agréable à l'éternel. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer de verser.
Bien-aimé, le message de cette soirée, c'est un message interpellateur qui va commencer par questionner chaque personne. Oh, en quoi j'ai failli? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Si tu es encore dans les choses qui combattent la lumière, et tu es là, toi aussi tu es coupable. Et le ciel ne doit pas te faire cadeau pour ça. Toi qui as pris ta bouche pour détruire l'œuvre, toi qui as pris ta bouche pour chasser les frères, pour chasser les sœurs, toi aussi le ciel ne te fera pas cadeau. Toi aussi, à qui on a mal parlé, et tu n'as pas fait comme le maître, tu as gardé dans ton cœur, ça t'a rendu malade, ça t'a ruiné. Et tu es parti, ou tu es là, malade. Le Seigneur aussi ne te fera pas cadeau. Alléluia. Amen. Ce soir, nous n'avons pas fait la réconciliation. On va continuer toujours de creuser. Parce que nous n'avons pas fait la réconciliation sur des choses mensongères, sur des bases hypocrites. Tiens, on aura le temps de s'examiner pendant tout le programme pour dire maintenant je décide de faire la paix. Alléluia. Amen. Je suis prêt à marcher maintenant. Et si jamais demain il arrive que je fasse quelque chose contre l'œuvre, que le malheur me frappe. Alléluia. Amen. Tu es prêt pour ça? Tu es prêt pour ça? Oui. Tu peux déclarer ça? Oui. Amen, voilà. C'est faible. Amen, là, c'est tout fait. Le programme a pu but la réconciliation et la restauration. C'est pas dit, je rebâtirai sur les anciennes rues. Les relations fraternelles qui sont devenues des rues, Jésus va les colmater parce que c'est le réparateur des brèches. Il va réunir tout ce qui était dispersé. Les têtes fils qui sont dispersés, je les rassemblerai. Alléluia. Mais on va le faire sur la part de la vérité. Sur la part de la transparence, la part de la lumière. Et l'Esprit devra nous conduire dans ça. Alléluia. Amen. On va pas sauter pour dire pardonne-moi. Non, on va pas faire ça. Chacun apporte le temps des amis à vos amis. C'est ça, mes amis. Ce que tu as donné ce soir, arrivez à le réexaminer, toi. Vois tout ce que tu as fait. Ceux qui sont partis à cause de toi, rentre en toi et commence par les chercher. Commence par les chercher. S'il ne revient pas, c'est que toi-même, tu as un problème. Il faut l'amener. Sinon, toi-même, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Fais tout pour servir. Va procéder. Toi, insiste. Juste à ce que. Tu es quelque chose. Donc, ce n'est pas un message pour troubler quelqu'un. Ce n'est pas un message pour amener la peur. Non. C'est un message d'examen de conscience. Un message d'interpellation. C'est un procès que Dieu lance contre son peuple qui l'a trahi. Son peuple qui l'a abandonné et sa gloire. Son peuple. Donc Dieu en procès avec son peuple. Dieu en jugement avec son peuple. Tu vas te tenir debout sur ton pied. Tu vas fermer les yeux pendant quelques secondes. Et pense au message que tu as entendu. Ce que tu as entendu. Ferme les yeux, pense. Commence pas à examiner tout ce que tu as entendu. Commence pas à examiner tout ce que tu as entendu. La gloire de l'Éternel qui est perdue. Ma participation. Rentre en toi. Et dis, examine-toi, rentre en toi. Vois ce que tu as fait. Écoute
chose que tu as dite. Cet esprit, pendant ce moment, je te prie, c'est toi la parole, c'est toi la vie, c'est toi la vérité. Alors commence par parler, cet esprit. C'est toi qui conduis dans toute la vérité. Tu as été promis pour nous le jour de la Pentecôte, tu es descendu. Et depuis lors, tu es toujours avec nous. Nous t'aimons, cet esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas faire la paix. Sans toi, nous ne pouvons pas dire shalom à un frère. Sans toi, nous ne pouvons jamais nous réconcilier. Esprit de Dieu, tu es le Dieu. Dieu d'union, le Dieu de sainteté. Parle à chacun. Parle à chacun. Parle à chacun. Les fardeaux de chacun. C'est à cause de toutes ces choses dans lesquelles ces vers se trouvent. Les fardeaux, des seuls des sorts, ce sont les choses dans lesquelles les pieds ont marché. Alors, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de la repentance, commence par saisir ton peuple. Commence par saisir les consciences. Commence par parler dans le cœur. Commence par sonder le cœur. Toi qui sonde les cœurs et les reins, alors comment par sonder les cœurs? Esprit de Dieu! Ta parole a été prêchée. Ta parole que tu as mise dans notre bouche, nous allons prêcher ta parole. Selon la direction que tu nous as donnée, cet esprit. Alors je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Ici, beaucoup ne sont pas en paix. Ici, beaucoup sont venus par curiosité. Ici, beaucoup sont venus parce qu'ils n'ont pas le choix. Esprit de Dieu, personne ne sert le Seigneur dans la peur. Personne ne sert le Seigneur dans l'obligation. Mais tout le monde le sait avec la liberté. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Alors, Esprit de Dieu, parle à quelqu'un. Dis ma fille, c'est toi. Ma fille, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Regarde. Ton cœur t'a parlé dans les songes. Et tu as pris cela comme les paroles. Parce que ton cœur n'est pas converti. Parce que ton cœur n'est pas libéré. Oh, c'est ça. Agis. Mouve-toi, Esprit de Dieu. Mouve-toi, Esprit de repentance. Mouve-toi, descends. Touche. Touche quelqu'un. Dis-lui. Est-ce que tu vas dire la vérité? Est-ce que tu vas confesser? Est-ce qu'il n'est pas le temps de voir les hommes de Dieu te parler? Est-ce que ce n'est pas aussi le temps de venir devant le peuple de Dieu et de dire ce que Dieu? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment? Pense que tu as encore le temps? Et si la trompette sonnait cette nuit, qu'est-ce que tu ferais? Toi qui annonces aux autres le son de la trompette, et si elle sonnait pour toi cette nuit, que dirais-tu à Dieu? Que lui dirais-tu? Vas-tu supplier le Seigneur? Vas-tu dire, Seigneur, je voulais me repentir? Vas-tu dire, Seigneur, je ne savais pas que c'était grave? Vas-tu donner tout ça ici? Je ne crois pas de ce capacité. C'est le moment. C'est le moment. Commence à parler au Seigneur. Commence par lui parler. Ouvre ta bouche. Commence par lui parler. Commence par lui dire, Seigneur, c'est moi. J'ai fait ce que c'est. Cherche un mot et parle au Seigneur. Humilie-toi devant lui, dis Seigneur. Seigneur Jésus. Bien sûr, c'est moi. Ta parole s'est adressée directement au cœur et m'a dévoilé. Je ne peux me cacher devant toi, Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis ce qui confesse de ta bouche. Si tu crois dans ton cœur, la parole est plus proche de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Déclare la parole, confesse. Il dit, celui qui garde cette transgression ne peut prospérer, mais celui qui les avoue et les laisse obtenir miséricorde. Commence par prier. Commence par prier. C'est le moment de parler à ton Créateur. Parle à celui qui te voit dans les lieux secrets. Il dit, il n'y a rien qui resterait caché, qui ne soit pas découvert. Tout ce qui se dit dans les lieux secrets sera prêché public. Les caméras du ciel ont enregistré toutes ces choses. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux voir ces images au jour du jugement? Tu as la capacité d'effacer ces images, les annales du ciel.
Tu es capable d'annuler toutes ces choses pour qu'au jour dernier, devant le tribunal de Christ, tes pensées apparaissent. Comment tu as souffert pour Christ apparaissent. Et non, comment tu as détruit l'œuvre de Christ. Comment tu as combattu comme Christ. Il te sera difficile de régimber. Qui es-tu pour résister au Seigneur? Quel est ce cœur qui peut résister à l'Esprit de Dieu? Quel est ce cœur qui peut tenir devant la lumière? Demande, parle au Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, ce moment que tu as choisi pour rebâtir ma vie, Seigneur, je viens devant toi, je murmure, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, je suis sincère cette fois-ci. Seigneur, je suis sincère cette fois-ci. Seigneur, vois mon cœur. Vois mon cœur, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, je l'ai fait chasser de ton église. Non, c'est le pasteur qui va le faire. Non, c'est la femme du pasteur qui va le faire. Non, c'est le frère Benjamin qui va le faire. Parle au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le travail des intercesseurs. Ce n'est pas le travail des chants, ce n'est pas le travail des ouvriers. Mais c'est ton travail aussi. Tu n'es pas sauvé aussi comme les autres. N'as-tu pas aussi le même salut que les autres? N'as-tu pas aussi le même héritage que les autres? Mais ce dont il nous partit, prie pour toi. Prie. Supplie le Seigneur. Supplie-le. Supplie-le, dis Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, réformer ma vie. Je veux changer de direction ma vie. Je veux retrouver le chemin qui a été perdu, Seigneur. Seigneur, les anciens sentiers que j'ai abandonnés, Seigneur, je veux les retrouver. Je me suis égaré dans ma folie. Je me suis égaré dans mon orgueil. Je me suis égaré dans mes penchants. Je me suis égaré dans ma convoitise. Je me suis égaré dans ma colère. Je me suis égaré dans mes rancœurs. Je me suis égaré dans la méchanceté. Je me suis égaré dans le manque de pardon. Je me suis égaré, Seigneur Jésus. Oui, dans l'amertume. Je me suis égaré, Seigneur Jésus. Dans le dénigrement, dans la calomnie. Je me suis égaré dans la pudicité. Oui, beaucoup se sont retournés à la pudicité. Parce que le feu n'est plus là. Quand le feu n'est plus là, alors les ténèbres règnent. La chair commande, les désirs de la chair se manifestent. Et les désirs de la chair produisent le péché. Et le péché entraîne la mort. Et Jésus est mort pour le péché. Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, ce moment tu vas me toucher. Ce moment tu vas me toucher, Seigneur. Seigneur, c'est le moment où tu vas me toucher. Seigneur, je sais que j'ai mal agi contre toi. Tu m'as dit, si je suis votre père, où est l'honneur? Si je suis votre mère, tu vas craindre que vous me devez. Me voici ce soir. Le péché m'a défiguré. Le péché m'a changé. Le péché m'a brûlé. Le péché m'a anéanti. Le péché m'a déshabillé. Le péché m'a dépouillé. Seigneur. Oh, bien-aimé, ouvre ta bouche et parle, Seigneur. L'Esprit, le Seigneur est là. Il est là. Il voit les cœurs, il ne voit pas les liens des cœurs. Devant toi, je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je réponds.
que ta puissance se manifeste. Que l'église Jésus revienne de Libreville, retourne sa gloire. Prie au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, toi qui es le chef de cette église, toi qui es l'époux de cette église, papa, je prie qu'à travers ce programme, que l'église de Libreville retrouve sa gloire perdue, retrouve son honneur, retrouve cette parure, Seigneur, retrouve sa puissance, retrouve son feu, retrouve son sel. Je prie, Seigneur Jésus, pour ce programme, papa, que l'église retrouve toute sa gloire, Seigneur, papa, là où sa gloire est cachée. Je prie, papa, que tu la relèves, que tu la relèves, que tu la relèves, que tu la relèves. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, notre Dieu, notre roi, béni soit ton nom au bureau des cieux. Seigneur Jésus, oui, tu as accepté tout à cause de nous. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait pour que nous, pécheurs, rebelles, insoumis, calomniateurs, meurtriers, criminels, Seigneur Jésus, nous puissions être sauvés. Tu as tout donné, Seigneur. Tu t'es appauvri pour que nous soyons riches. Tu t'es apaisé pour que nous soyons élevés. Tu es mort pour que nous donnions la vie. Seigneur Jésus, te disons merci. Papa, ta parole qui nous interpelle, ta parole qui remet notre conscience sur notre vie de péché, sur notre participation à la destruction de ton œuvre. Papa, je prie que cette vie, que cette parole continue de travailler la vie, que tu réveilles, papa, la conscience aux des uns et des autres. Je prie, Père, étends ta main sur ce programme. Que ce programme, papa, que des puissances descendent et se manifestent dans la vie. Je prie pendant ce programme que des miracles se manifestent. Je prie que tu étends ta main, Seigneur Jésus, qu'il y ait des guérisons. Toute personne qui viendra à ce programme, Seigneur, qu'il soit guéri, qu'il soit touché, qu'il soit visé par la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, moi, je prie. Tous ceux qui sont affaiblis, que ce programme les fortifie. Tous ceux qui sont tombés, que ce programme les relève. Oh Père, je prie. Que tu relâches une notion particulière sur ce programme, une notion particulière sur la vie de chacune des brebis ici présentes, à la maison, partout dans les brebis se trouvent, Seigneur. Répands ton notion sur la vie. Papa, nous te prions. Papa, que toutes les mains qui vont se lever pour dire que ta gloire ne soit jamais restaurée ici. Que celle ne soit pas paralysée. 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 Que ça va être tombe au nom de Jésus. Que ça va être tombe au nom de Jésus. Que ça fasse tombe au nom de Jésus. Toutes les voix qui s'élèvent contre nous, au sens, je déclare fermer ces voix au nom de Jésus. Je déclare fermer ces voix au nom de Jésus. Oh Père, que ton feu descende, que ton feu passe dans l'église. Le feu de cet esprit descend sur l'église. Le feu de cet descend sur l'église. Le feu de cet descend sur l'église. Embrasse l'église. Embrasse l'église. Embrasse l'église. Embrasse l'église. Embrasse l'église. Père, je te prie. Papa, ce qui est tendu dans cette église, redresse, Seigneur. Les ossements desséchés de cette église. Retourne la chair et la vie. Retourne la chair et la vie. Ce qui est perdu dans cette église, soit retrouvé au nom de Jésus. Les âmes égarées au nom de Jésus. Que la main du bon berger les ramène dans le troupeau. Les ramène dans le troupeau. Les décourager. Que la main du bon berger les relève, les fortifie. Seigneur Jésus, papa, nous voulons te remettre le reste du programme. Seigneur Jésus, tel que tu as commencé avec nous, papa, nous voulons que tu aies continué toujours. Et que tu achèves le programme à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Papa, nous confions dans ta main. Notre retour dans ta main. Nous te prions, Seigneur, que ta main nous soutienne, que ta main nous accompagne dans nos maisons. Papa, les véhicules, oh, les moyens par lesquels nous allons prendre pour rentrer à la maison, nous les plongeons dans ton sang. Nous prions, Papa, que tout projet de l'ennemi contre notre vie, projet d'accident, d'incident, que tous ces projets soient anéantis au nom puissant de Jésus. Seigneur, conduis chacun, sait et sauf à la maison, et que ta gloire nous accompagne, et que ta main nous protège au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais demander au pasteur de donner les annonces, s'il y a quelque chose à dire. Soyez bénis. Voilà le programme que vous avez entendu.
voudrais qu'il y ait des participants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de populations, certains qui travaillent, mais on peut toujours faire des efforts pour que vous ne ratiez pas tout le programme qui a été annoncé. Donc, le premier programme était prévu jusqu'au 5, mais à cause des modifications dues au programme de planning de voyage, disons, des bateaux qui font la ligne de Libreville-Pointe-Aux-Antilles, ça a impacté un peu sur le programme initial. Du coup, on se retrouve avec un programme enchaîné jusqu'au 9. Or, c'était en deux étapes. Donc, vous avez la possibilité de suivre tout ce programme-là jusqu'au 9 en ayant déjà 18 heures. On estime que tout le monde a déjà dégagé les obligations professionnelles. Donc, faites l'effort de pouvoir être dans ce programme jusqu'au dernier programme. Donc, ceux qui ont essayé de planifier, qui ont des obligations, essayé de planifier bien, après terminer le boulot, ils peuvent s'arranger, aller rapidement, prendre les mains et revenir. Ceux qui sont un peu plus loin, ils peuvent arriver ici. L'église est ouverte généralement toute la journée, en fait. Mais un peu plus tôt, autour de 15 heures, à partir de 15 heures, les équipes de travail pourront, l'église est déjà disponible, il y a des personnes qui s'occupent à accueillir les âmes qui viennent. Donc voilà, il faudrait que vous soyez disponibles. Le jeûne qui vous a été recommandé, faites-le pour votre bien. Faites-le pour votre bien, respectez ce jeûne. Et ceux qui ont des cas qui le reconnaissent eux-mêmes particuliers, c'est le moment opportun de pouvoir être disposé pour que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Voilà donc ce que je voulais vous dire. En gros, voilà. Alléluia, je priais. Par rapport aux réceptions, l'entretien. Alléluia. Amen. Vraiment, aujourd'hui, nous devons recevoir. Amen. Et c'est que il y avait pour deux programmes qui se sont enchaînés, c'était compliqué. On était parti à l'évangélisation, après on était à la radio. Donc c'était quasi impossible de recevoir. Demain, en tant que nous devons recevoir à partir de 9h. Mais c'est que demain, on a rendez-vous. On a rendez-vous à 11h. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de prendre rendez-vous demain avant le rendez-vous de 11h, on sera en retard. Alors, ce que nous allons faire le vendredi, déjà à 9h, on sera ici. D'accord, je serai ici pour les entretiens. On va pas jusqu'à midi 13h. Donc, le vendredi, nous allons recevoir tous ceux-là. Amen. Qui ont des situations spirituelles. Il faudrait vraiment qu'on travaille, qu'on prie, qu'on intercède avec eux. Alors, nous sommes là le vendredi. Amen. Sinon, si on nous donne demain, on va faire attendre inutilement. Gloire à Jésus. Mais je sais que le bon berger vous écoute déjà. Amen. Seigneur Jésus vous bénisse. Je dis shalom à ton frère, à ta soeur, à mon soutien.